Monsieur Bernhard, uh, Friends of Canadian Broadcasting. Comité, c'est un uh, plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez déjà que les Amis est un regroupement citoyen, pan-canadien et non partisan, avoué à la défense de la culture canadienne à l'antenne et en ligne. Here are the choices before you as... Voici les choix qui s'offrent à vous tels que Friends les voit. D'abord, les entreprises comme Netflix devraient-elles être obligées de financer du contenu canadien en échange des droits euh, qui leur consentent des milliards de dollars ici? Deuxièmement, les nouveaux formats de diffusion mettent en vedette un contenu généré par des utilisateurs. Euh, ne faut-il pas également le réglementer au niveau des plateformes? Et troisièmement, comment pouvons-nous garantir un avenir pour les récits et les talents canadiens alors que l'industrie de plus en plus dominée par des mastodontes américains? Facebook, YouTube, Netflix et maintenant le ministère du patrimoine nous donnent tous la même réponse. À ces questions, ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance, tout ira bien. Netflix veut moins d'obligations que ses concurrents canadiens et ce projet de loi, en fait, leur permettrait entièrement d'être non réglementés comme c'est le cas aujourd'hui. Facebook et YouTube disent que ce sont les usagers qui sont responsables du contenu généré par les utilisateurs et ce projet de loi semble d'accord, exemptant les médias sociaux non seulement pour ce qui est du contenu, mais également pour toute réglementation de leur infrastructure de distribution. Qu'en est-il des médias locaux florissants qui racontent des histoires canadiennes? Le projet de loi CDI supprime la propriété canadienne comme objectif politique et dilue les dispositions visant à soutenir le talent canadien et ne fait rien pour renforcer la SRC. Entre-temps, les médias canadiens continuent de saigner. Bell Media a licencié plus de 400 personnes cette année, d'après mes calculs. Le Huffington Post a fermé ses activités au Canada et au Québec ce mois-ci et la proposition d'acquisition de Sharp par Rogers est un véritable risque de fermeture. La question qui est posée est simple. Adopterez-vous une loi que soit Netflix, Facebook et YouTube, ou êtes-vous du côté du Canada Si vous êtes du côté du Canada, vous ne pouvez pas faire confiance au ministère pour régler tous les problèmes qu'il a créés. Vous devez corriger le projet de loi vous-même. Mettez fin à l'ambiguïté à savoir si Netflix et compagnie devraient contribuer moins que les diffuseurs canadiens ou pas du tout. Inscrivez-le dans le projet de loi, ne serait-ce que pour rassurer le secrétaire parlementaire. La secrétaire parlementaire, sa circonscription, abrite les principales installations de production du Canada. Pour ces électeurs, les exigences de Netflix sont une perte de revenus. Il faut davantage vous en soucier car le ministère ne semble pas bien comprendre la réalité qu'il doit réglementer. Par exemple, lors de sa dernière comparution devant le comité, le ministre Guilbeault a déclaré que YouTube et ses semblables ne devraient pas être sujettis à la loi car le gouvernement ne peut pas réglementer les boîtes de clavardage. Eh bien, avez-vous été sur YouTube depuis dix ans? YouTube regorge de créateurs professionnels avec d'énormes budgets de production, des millions de fans et des centaines de millions de visionnements. Parlons de Grumpy Cat, qui a plus de 12 millions d'adeptes dans les médias sociaux, qui est apparu dans des publicités de Cheerios et qui était présenté dans toutes les grandes chaînes américaines. La publication britannique Express estime que Grumpy Cat ou ses propriétaires ont touché près de 100 millions de dollars grâce à des vidéos de chats du, du Grumpy Cat. C'est plus que des stars d'Hollywood. On a affirmé que Facebook et YouTube n'étaient pas exemptés du projet de loi, mais qui ne seraient réglementés que lorsqu'ils se comportent comme des radiodiffuseurs. Cette déclaration est très trompeuse. Les plateformes des médias sociaux, et en particulier YouTube, sont des radiodiffuseurs en vertu de la loi. S'ils ne l'étaient pas, il ne serait pas nécessaire de les accorder une exemption. De plus, la promesse d'une nouvelle loi pour combattre ceci constitue une distraction. Parlons des normes de radiodiffusion, ou par exemple de la publicité, de la découvrabilité, ou de la nécessité, par exemple, du français. Et je pense que lorsque l'on fait ces exemptions, eh cela empêche le CRTC d'affronter ces problèmes. Pour conclure, votre tâche est simple garantissez l'avenir pour les diffuseurs canadiens. Ne faites pas confiance aux gens qui vous disent voilà, c'est bien après coup. Il s'agit maintenant d'une occasion qui se présente dans une génération et le projet de loi qui vous est proposé Netflix et son président ont dit que YouTube aussi doit s'en réjouir comme Netflix. Alors, est-ce que vous allez adopter. Ou non, un projet de loi qui est dans l'intérêt public, à vous de faire le bon choix. J'espère que vous le ferez.